Je voudrais qu'on parle de la gratuité dans notre milieu. Parce que je sais que toi, ça t'arrive très peu souvent, mais moi, ça m'arrive très souvent, où les gens, ils me demandent des choses gratuites parce que soi-disant, j'ai un don. Parce que j'ai un don, pas soi-disant, ça y est, j'ai encore du mal, hein. Parce que j'ai un don. Et que pour eux, c'est naturel que quand tu as un don, ben, tu dois faire les choses gratuitement. Déjà, il faut être clair, c'est difficile pour nous. Donc, comment imposer aux autres ce qu'on a du mal à s'imposer à soi? Moi, j'ai grandi dans l'esprit que c'est un don, donc don, il y a donné, forcément, tu donnes. Après, avec la vie, tu apprends que donner, c'est utiliser de l'énergie et que l'argent, c'est de l'énergie. Donc, en fait, quand quelqu'un te donne de l'argent en échange d'un soin, d'une voyance ou de n'importe quoi d'autre, forcément, c'est un échange d'énergie contre de l'énergie. Donc, jusque-là, tout va bien, je veux dire. Tout travail mérite salaire. Il n'y a pas de sous-travail. Je veux dire, le pianiste, même s'il est né virtuose à 6-7 ans, forcément qu'à un moment donné, il va gagner sa vie avec ça. Je veux dire, ce n'est pas parce qu'il est virtuose qu'il a un don de naissance qu'il va dire non, c'est bon, ne me payez pas, je vais faire ça gratuitement. Tu vois ce que je veux dire? C'est complexe. Après, c'est vrai que des fois, on a face à nous ce qu'on appellera aussi des gens qui sont de plus en plus dans le besoin. On est dans une société où de plus en plus de gens ne mangent pas leur faim, n'ont pas forcément les moyens. Alors c'est sûr que l'autre te dirait, tout capitaliste te dira, s'il n'a pas les moyens, mais il n'y a pas droit. Pas de bras, pas de chocolat. Malheureusement, notre don est là pour aider tout le monde. Alors quelqu'un qui souffre réellement, qui a une souffrance mentale ou une souffrance physique, qui est vraiment dans la mouise et dans la merde, en général, il faut être honnête, quand elle vient vers nous, cette personne-là, on la cerne. Voilà, ou au pire, on ne lui fera pas payer grand-chose, ou on ne lui fera pas payer tout court. Moi, ça m'est arrivé de faire des voyances et à ne demander que 10 ou 20 euros, parce que je sais que la personne devant moi n'a rien, mais que si je demande rien, quelque part, il y a un côté un peu faire la charité, et les gens détestent ça aussi. Et parce que même dans leur esprit, non, les gens qui te demandent la charité, c'est des gens qui ont les moyens, mais qui ne veulent pas payer, ça c'est différent. La plupart des gens, enfin, moi, dans mon vécu personnel, la plupart des gens qui m'ont dit, ouais, mais de toute façon, toi, c'est un don naturel, on te l'a donné, donc si tu. Voilà, t'es pas, je ne suis pas obligé de te payer. Non, tu n'es pas obligé de me payer. Mais moi, je ne suis pas obligé de te faire une bonne voyance non plus. Non, C'est le ça, je suis risque. d'accord, je suis C'est le d'accord. risque. Hein. Mais pas personnellement. Hein. Je veux dire, quand je suis en voyance, je suis dans un état second. Bizarrement, chaque fois que les gens ne veulent pas me payer ou un côté un peu radinasse, un truc comme ça, bizarrement, ma voyance part en sucette. Même moi, je sens qu'elle part en sucette. Je ne comprends pas pourquoi. Après, je sais pourquoi. Mais sur le moment, non, j'ai l'impression que quelque part, le cancre-là qui est en moi, c'est un don aussi de la nature. Celui-là, on me l'a donné. Le côté cancre-là fait que, ben, il fait une voyance de cancre-là, puisqu'il sait qu'en face de lui, il a un cancre-là. Et il va lui dire forcément ce qu'il a envie d'entendre, et pas forcément la vérité. Et ça, c'est autre chose. C'est compliqué. Mais c'est toujours difficile d'avoir cette approche par rapport à la gratuité. Quand tu sais vraiment que la personne face à toi en a besoin et que tu n'as pas le choix, tu le fais parce que c'est comme ça. Maintenant, faire de la gratuité pour faire de la gratuité, en général, ça s'appelle de la publicité. Et la pub, elle se paye aussi, d'une manière ou d'une autre. Je suis d'accord. Donc, c'est un sujet très compliqué, très complexe, hein. Après, toi comme moi, on fait payer, on fait, régulièrement payer les gens après plutôt qu'avant la consultation. Et moi, ce qui m'énerve, c'est les gens à qui t'as fait le truc, ils te disent oui, tout c'est ça. Et puis en plus, tu vois leur réaction étonnée de t'as compris ce qu'ils étaient, qu'est-ce qu'ils faisaient, voilà. Et après, derrière, ils fuient. Et ils te disent, ah non, mais c'est pas vrai. Et tu leur dis, mais pourquoi vous m'avez pas arrêté pendant la consultation ou quoi que ce soit? Et ils te disent, non, non, mais tout ce que vous m'avez dit, c'est pas vrai, donc je vois pas pourquoi je vous paierai. Alors que tu sais très bien à leur réaction que c'était vrai. Et pour cela, alors? Ça, c'est autre chose. Cela, on en vient à ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire la mauvaise foi. Ces gens qui ont de l'argent mais qui ne veulent pas payer, ces gens qui partent du principe que dans la vie, tout leur est dû. C'est les mêmes que tu vas croiser à l'entrée de quelque chose et qui vont essayer de resquiller la queue. C'est des gens qui ne peuvent pas s'empêcher de ça. Je veux dire, ça, c'est le problème, c'est que là, comme tu fais du soin de cap à cap, un à un, forcément que ces gens-là, tu les repères de suite. Je veux dire, tu as l'impression que quand dans une file où tu as 50 personnes qui font la queue et que cette personne essaie de resquiller, tu as une ou deux personnes qui les remarquent. Avec de la chance, on leur dira rien. Avec pas de chance, ils se feront renfler. Mais dans tous les cas, ils essaieront quand même. Ben, c'est un peu pareil avec le soin. Après, payer d'avance, payer d'après. Je veux dire, c'est une histoire de confiance.
si toi, ta confiance, c'est que l'autre ne te la rend pas, je veux dire, tant que t'es clair avec ta... avec toi, je veux dire, il n'y a pas d'autre mot, quand t'es clair avec toi et que tu sais où tu vas, que t'as pas besoin... voilà, je veux dire, c'est... Tu te poses pas de questions, la personne te fait un enfant dans le dos, elle te fait un enfant dans le dos. Risque quelque chose, du coup, cette personne? Elle risque toujours, tu sais, la vie est... Ok, on t'a filé un don pour aider les autres, mais si t'aides les autres et que les autres ne sont pas, comment dire, c'est quoi le terme, là, j'ai un trou de mémoire. L'honnêteté? Non, quand tu sais remercier les autres, dire au moins merci. Ah oui. C'est le remerciement, ouais. Qu'il soit financier ou même verbal, je veux dire. Rien ne t'empêche de dire, je peux pas te payer, mais merci quand même. Ça, je suis d'accord avec toi. À la prochaine fois, j'essaierai de donner un peu plus ou j'essaierai de donner quelque chose. Je veux dire, ça s'appelle de l'intégrité, de l'honnêteté. C'est vrai, mais des fois, des gens ont tellement honte de l'enfant dans le dos qu'ils vont te faire que ça devient des connards. Et à côté de ça, il y a des gens qui ont tellement honte de rien payer qu'ils vont rien te demander. Ça aussi, oui. Et que même si toi, tu leur dis, mais non, mais c'est bon, je te le fais quand même, elles vont être très mal à l'aise. Et je comprends tous les cas, je veux dire, on est tous humains, c'est pas simple. Mais non, après qu'on fasse des choses gratuitement, oui, moi ça m'arrive sur les salons, de tirer les cartes aux gens, les aider sur une question ou deux, et rien leur demander, ça les surprend toujours quand je leur dis non, je veux rien. Voilà, après il y a des gens qui te forcent la main et qui te donnent quelque chose, et puis il y a des gens qui te remercient. Je veux dire, le merci, c'est parfois, ça a plus de valeur que de l'argent. Simplement, comme je sais qu'il y a des cons qui diront ni merci ni qui donneront de l'argent, bah, des fois, je rigole intérieurement parce que je sais que malheureusement, la vie est injuste et que ce que tu fais mal par rapport à un cadeau, la vie te le fait toujours payer. Donc, je me dis, vaut mieux lui que moi. Voilà, c'est tout. Moi, j'ai fait mon cadeau. Si l'autre, il l'a pas apprécié ou truc, c'est son problème, c'est pas le mien. Voilà, c'est... Après, j'avoue que des fois, c'est compliqué. Je me retrouve dans des situations où on me pose des questions dans lesquelles, quelque part, je n'ai pas à intervenir. Des questions de morale, des questions comme ça. C'est compliqué. Et là, j'essaie d'aider la personne par d'autres aspects, en leur donnant des conseils pour réfléchir, eux. Mais je ne peux pas intervenir. Je veux dire, c'est pas ma vie. Je veux dire, c'est comme si quelqu'un, un homme qui se sent un peu femme à l'intérieur, est-ce qu'il vaut mieux qu'il devienne homosexuel ou est-ce qu'il vaut mieux qu'il parte vers un trans? C'est difficile pour moi déjà, ça ne me concerne pas dans le sens où ce n'est pas ma vie et que les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Que là, en voyance, tout ce que je vais voir, c'est des choses troubles qui ne me concernent pas. Donc, je vais être mal à l'aise et donc forcément, mes réponses ne seront pas claires et que je n'ai pas envie d'envoyer les gens dans le mur. Je pense que c'est des choses qui les concernent eux et pas... ça peut me concerner à un certain moment. Mais voilà, si je ne suis pas dans leur vie, je ne vois pas comment. C'est toujours difficile. Et donc, pour en revenir à la gratuité, oui, on peut faire de la gratuité, c'est bien, ça peut permettre de faire de la pub, à condition que ce soit nous qui le décidons. Qu'on ne nous impose pas la gratuité juste pour nous dire « Ah ben non, c'est comme ça ». Je trouve ça idiot. Je veux dire, il y a des gens qui m'ont dit « Est-ce que je peux vous poser une question? J'ai pas d'argent. » Ah oui, ça, moi, oui. Ça m'est arrivé plein de fois. Ben, j'ai dit « Oui, allez-y ». Si je peux vous aider, tant mieux. Si je peux pas, je vous le dirai quand même. Voilà, c'est, je veux dire, on n'est pas parfait. Des fois, notre mental n'est pas totalement là. Oui, mais à partir du moment où on nous demande de gentiment, je vois pas l'intérêt de ne pas essayer d'y répondre. Après, c'est tout dépend de la question. Si la question demande 3 heures de réponse, ça risque d'être un peu plus compliqué. C'est clair. Voilà. C'est clair. Ok, merci. De rien. Bonsoir.